sur cette scène ont débuté beaucoup d'humoristes et d'artistes qui sont actuellement de grands comiques. On peut parler d'Eli Kaku, on peut parler de Muriel Robin et plein d'autres. Mais aujourd'hui, c'est de vous dont nous allons parler, et plus particulièrement, de Madame H. Alors, vous êtes la présidente et, je tiens à préciser, la seule membre de l'association parisienne HCB, homosexualité et bourgeoisie. Alors, en quoi consiste, quel est le but de votre association? C'est une association que j'ai créée il y a quelques années et je me bats pour essayer de réconcilier les homosexuels avec les valeurs bourgeoises, le savoir-vivre, le bon goût et le légendaire raffinement pédérastique. Bon, je suis bien conscient de ne pas avoir choisi le combat le plus facile, loin de là. D'accord. Croisade un peu. Vous avez commencé il n'y a pas très longtemps ce combat. Il me semble que c'était en juillet 99. Tout à fait. On m'avait totalement censuré à l'université d'été euro-méditerranéenne des homosexualités. Excusez-moi, je mets le féminin partout. Si c'est féminin, donc. En 99, on m'avait censuré, donc j'avais fait comme un zap chic, c'est-à-dire que je me ruais sur la scène de l'amphithéâtre des Beaux-Arts à l'université de Marseille pour prendre le micro et défendre mes valeurs à l'époque, mes idées, qui étaient à l'époque sur le Pax ou sur le savoir-vivre ou le chic lesbien. En tout cas, ça a apparemment pas dérangé beaucoup de personnes puisque vous y êtes retourné. Après, j'ai réussi à faire mon trou, comme on dit. Et donc, j'ai réussi effectivement à être invité par la suite de manière officielle, à être reconnu. La valeur de mon combat a été reconnue, finalement. D'accord. Mais il a fallu me battre pour ça. Mais de toute façon, j'ai cru comprendre que vous étiez là où on ne vous attendait jamais. Oui, tout à fait. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard, si vous voulez bien. Donc, on va faire par ordre chronologique, si vous voulez bien. En 2001, ça a été une année très, très, très chargée pour vous, puisque lors de la campagne des municipales parisiennes, vous aviez eu un slogan qui apparemment était très, très incisif. Hein. Je pense que vous pouvez nous le donner. C'est « Madame H, une vraie mère pour Paris ». D'accord, donc vous étiez en compétition avec… Monsieur Delanoë, voilà. Et d'autres. D'accord, on vous voit d'ailleurs sur votre site internet à ses côtés. Non, oui, tout à fait. Et qu'est-ce que ça fait d'être à côté de… Là aussi, je suis toujours là où on ne m'attend pas et toujours là où on ne m'invite pas. Donc je m'étais introduit dans le carré de tête de la Lesbian and Gay Pride pour, effectivement, parce que je pensais que ma place était là. Après, je suis allé voler de char en char avec mes camarades transpédéguines. Mais donc, mais j'avais quand même un beaucoup plus grand chapeau que M. Oui, Bernal. Tout à fait. Mais de toute façon, je vous trouve aussi ravissante que lorsque je vous ai vu dans vos spectacles et sur scène ici au Point Virgule. Ensuite, en mai 2001, a commencé les premières conférences Kermesse sur cette scène au Point Virgule, qui fut un mouvement de foule digne d'une Europride. Oh, Mondo Pride, oui, d'accord. Oui. Europo Pride. J'ai même eu des cartes de japonais tout de même. Hein. C'est vrai? Oui, tout à fait. Avec leur appareil photo? Non, même pas. D'accord. Mais mes bodyguards étaient là. Étaient là. D'accord. Vous avez aussi, lors de cette année 2001, décerné un très très grand monsieur qui s'est vu malencontreusement révélé son homosexualité. Je parlais de Jean-Luc Romero. Vous lui avez décerné. Ah, on peut le dire maintenant. Oui, on peut le dire. Parce que vous étiez au courant sans nous l'avoir dit avant. Ah non, mais c'était après son outing. D'accord, très bien. Voilà. Donc, vous lui avez décerné un prix pour le Cochrane d'or, pour le remercier pour tous les services qu'il avait rendus à la bourgeoisie, qu'il continue à rendre à la bourgeoisie en étant solidaire de la bourgeoisie, et je le remercie. D'accord. Un collectif de créateurs et d'auteurs gays et lesbiens a été créé. Oui, et trans. Et trans, excusez-moi. Avec Eric Remes, vous créez Queer Factory. Oui. Eric Remes et Sillon. Voilà, je voulais vous laisser donc dire. La grande Sappho Mytilène du troisième millénaire. Très bien. Et alors, en quoi consiste justement ce collectif de... Eh bien, c'était se battre pour une solidarité, une visibilité entre les artistes gays, lesbiens, LGBT, comme on dit, j'aime bien les appeler les etc. Voilà. Pour une visibilité autour de leur création plastique, orale, visuelle, etc. Et donc, on a fait plusieurs... on a fait une exposition et on a même organisé, j'ai animé
ce qui était un rêve pour moi, un de mes grands projets, c'était une backroom littéraire. On vous attend, comme on disait tout à l'heure, là où vous devriez pas être, à savoir sur le plateau de Good As You. Vous avez fait, en décembre, vous êtes venu perturber l'émission de Gaël Le Forestier. Oui, parce que pareil, alors là c'était Good As You, comment dire, vous voulez donner une image de l'homosexualité qui ne me correspondait pas, qui ne me plaisait pas. Ah oui, c'est ce qui est bien. Comment dire, c'était, on était trop concurrents quelque part. Il voulait montrer quelque chose de trop lisse de l'homosexualité. Et donc, j'ai vécu ça comme une concurrence. Voilà. Mais trop, vouloir montrer trop l'homosexualité comme quelque chose de normal. Et je n'ai pas supporté. Technique Art a consacré un article vous concernant et a passé 12 heures avec vous. Alors, on ne va pas faire 12 heures comme ça dans l'intégralité, mais il y a des choses que j'ai relevées qui m'ont beaucoup amusé. Vous êtes allé là où des gens ont été agréablement surpris de vous voir, des enfants aussi, puisque vous avez été dans un square, vous avez été devant le café de Fleur. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette journée en compagnie des journalistes? Oh, c'était un petit peu éreintant, hein, parce que j'ai commencé par une quête de charité devant ces moments de Noël. Hein, c'était sur une un quête marché. De charité. Non, c'était devant le Bon Marché. Oui, le Bon Marché. Voilà, et donc je faisais une quête pour essayer d'accoter quelques pièces afin de chauffer les backrooms l'hiver. Hein, ça, on n'en parle pas assez, le problème de l'humidité des caves du Marais. Ils sont très humides, très froides. On ne parle pas non plus du saturnisme qui peut atteindre certains gays, hein, parfois à cause de l'humidité, du plomb sur les murs. Donc, une campagne pour essayer de chauffer les backrooms l'hiver, parce que les homosexuels pauvres ont le droit d'avoir chaud. Mais vous avez tout à fait raison. Voilà, après, bon, dans le parc, j'étais un petit peu alpagué par les enfants qui voient tous en moi comme une mère. Oui, hein. Et qui vous appellent monsieur quand même. Oui, mais vous savez, les enfants et les genres, hein, ils sont très têtus, c'est presque des têtes à claque, je dirais. Hein, mais c'est pour ça que vous ne voulez pas. Les garçons, c'est pas de leur faute, hein, c'est leurs parents qui est un peu éduqués comme ça, c'est les garçons et les filles, et donc, voilà, ils sont un peu carrés. Hein. Et vous dites que c'est à cause des hétéros. Oui, ah, tout à fait. Mais tout ce qui nous... toutes les plaies... Hein, toutes les fléaux qu'on connaît depuis des millénaires, et ça sera un peu le thème de mon prochain spectacle, c'est les hétérosexuels. D'accord. J'ai appris aussi, donc, en lisant cet article avec attention, que les backrooms ont été inventés par les chrétiens. Oui, tout à fait, au 1er siècle, d'accord. Après Jésus-Christ. Bah oui, c'était les premières catacombes. Donc ils se réunissaient la nuit. Bah oui, écoutez, moi j'ai fait quelques études historiques comme ça en dilettante. Et donc pour moi c'est clair, hein, les catacombes c'est les premières backrooms. Hein. D'accord. Ils se réunissaient la nuit, donc dans des souterrains. Bon. Et on apprend aussi que la Vierge était lesbienne. Bah oui, forcément. Le Christ, lui, son fils, était homosexuel. Oui, relisez la Bible. Oui, tout à fait, mais Je m'attendais pas à retrouver ça dans... Bah c'est censuré, bien sûr. C'est les traductions de la Bible qui sont faites, mais c'est très très clair. Il y a plein d'indices. Donc... plein d'indices qui confirment mes explications. C'est ce que j'étais en train de voir. Vous parlez aussi du grand défilé des rameaux multicolores. Ah oui, ça c'était le moment des rameaux. À Jérusalem. Les rameaux, le défilé avec les rameaux multicolores arc-en-ciel, c'est la première lesbienne and gay pride de l'histoire. D'accord. Ensuite, vous prenez le métro. Vous trouvez que le métro, alors à Paris, vous pouvez nous en parler un peu. Édouard Balladur disait qu'il fait chaud, c'est vrai. Il fait très chaud vrai, et que ça sent assez mauvais, non? Oui, ça sent assez mauvais. Parce qu'il est pratique, c'est que le métro arrive, vous levez la main, vous l'appelez métro, métro, et il s'arrête. Ça, c'est quand même très très pratique. Après, avec les taxis, c'est pas toujours le cas. Alors, vous êtes prête à mourir pour les pauvres, hein, c'est ce que. Mais pas à vivre dit. Un mec. Hein. Voilà. Pourquoi vous êtes prête à mourir pour ces gens-là qui meurent de froid, qui sont pas, qui sont mal nourris? C'est pas de la pitié.
C'est du réalisme politique, en fait. Ils sont très nombreux, les pauvres. C'est vrai. Si on n'est pas un peu gentil avec eux, et alors, qu'est-ce que vous faites, il va y avoir des ambitions un petit peu utopistes. Et ça peut faire très peur. Mais alors, justement, qu'est-ce que vous faites pour parer à ces problèmes? Eh bien, j'ai créé une sous-association, quand même, plus une fondation, hein, qui s'appelle la Fondation pour les pauvres de Saint-Sébastien-d'Ibiza et Saint-Rita de Lesbos. Alors, j'organise des goûters, des crèches vivantes au moment de Noël, des petites choses comme ça. J'organise des ateliers, sa fille se mettra au déguis avec les petites lesbiennes pour qu'elles apprennent à se faire des petites jupes culottes, des tailleurs, voilà. Des choses comme ça, pour les occuper. Souvent, ils sont au chômage. Ah oui, je comprends. Et alors, vous, dans la crèche vivante? Je fais aussi des ateliers Golmichon Patacel. Ça marche très très bien. C'est vrai? Oui. Et là, j'ai un projet sur un atelier de fabriquer un grand sling en macramé avec des lesbiennes. Ça, c'est un grand projet, mais c'est vraiment un scoop. C'est vrai? Ah, ben, on va le garder et C'est un scoop gay prime, hein, j'ai gardé pour vous. Ben écoutez, en tout cas, c'est très très gentil à vous. Vous retrouvez dans des studios de radio, Radio Nova, oui, aux côtés d'Edouard Baer. Et bah là aussi, j'ai dû m'imposer à la force du poignet. Ce que vous faites systématiquement, apparemment. Bah oui, parce que je suis en croisade. Je suis en croisade, donc je vais essayer de toujours gagner les choses en me battant à la force du poignet. En m'imposant, je suis seul, hein, donc je me bats envers et contre tous et toutes. Et donc, je suis arrivé là-dedans et je suis allé directement dans la cabine de pilotage avec quelques petits boutons. Et j'aurais dit tout de suite, si vous ne me laissez pas parler, j'appuie sur tous les boutons. Et alors, là, ils ont laissé parler. Ils m'ont tout de suite laissé rentrer dans le studio. J'ai pu prendre la parole avec Edouard Baer. D'accord. Et vous étiez aussi assise aux côtés d'Ariel Wiesman, oui, qui était un petit peu surpris manifestement et qui ne savait pas. Oui, qui en a renversé son jus d'orange, qui était un peu déconcerté. À ce point-là. Oui. D'accord. Oui. Donc, vous expliquez à l'occasion de votre passage radio comment transformer un vieux tube de dentifrice en Golmichet. Vous pouvez nous révéler ce petit secret? Alors, je n'ai pas de tube de dentifrice sur moi. Non, j'en ai pas. Mais brièvement, comme ça. Mais, oui, c'est très simple. Vous voyez les tubes de dentifrice? Je ne donnerai pas de marque. Hein. D'accord. Il y a plusieurs marques possibles. Rigide, avec le capuchon, là. Qu'on appuie dessus. On appuie dessus, là, pour faire sortir le dentifrice. Donc, c'est assez rigide. C'est bien ferme. C'est une bonne assise. Ça peut tenir debout. Là. Et donc, vous laissez le bouchon, bien sûr. Et un conseil. Oui, parce que sinon, vous allez retrouver. Bon. Donc. Avec mauvaise haleine. Donc, vous fermez bien le bouchon et vous le fermez avec un petit sparadrap. Mmh. Hein, et vous couvrez, bien évidemment, d'un préservatif, comme d'habitude. Pour que ça ne glisse mieux. Mais surtout pas pour ce que ça... Si vous avez plusieurs partenaires, c'est plusieurs... Bon, par rapport aussi prévention. D'accord, hein. Vous avez tout à fait raison. Prévention égale chic, comme toujours. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, nous aussi, sur Gay Prime, on conseille toujours les internautes de sortir couvert. Ensuite, à la fin de ces 12 heures passées avec Technicart, vous retrouvez devant le dépôt. Ah, le dépôt aussi. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Apparemment, vous n'êtes pas très, très... Eh bien, j'y suis déjà allé faire toujours mes enquêtes, hein, mes recherches, et j'ai trouvé certaines choses m'ont beaucoup étonné. Hein, donc, déjà, c'est 4h du matin, donc il y a beaucoup de messieurs à l'étage, au bar, sur la piste de danse. Mais après 4h, tous les invendus, en fait, finissent au sous-sol, en sol, à la foire fouille. Hein. Et là, c'est vraiment la foire fouille. Hein. Et j'y suis allé, moi, bien que ce soit interdit aux dames, hein, ce qui est vraiment de la discrimination, je trouve. Hein. My men's only, j'ai bien lu. Donc, je suis quand même descendu en faisant une petite souris. Hein. Bah, le sol est très glissant. Ah bon, à cause de quoi? Je ne sais pas. C'était une vraie patinoire. J'avais pensé à tâtons. Il y avait des trous comme ça dans les portes des commodités, des toilettes. J'ai voulu me laver les mains. Il n'y avait pas de savonnette. Alors, vous trouvez, il y avait plein de gros distributeurs de savon liquide. Vous voyez? Oui, tout à fait. Il est oui. Très, très bizarre comme savon. Hein. Ah bon? Qu'est-ce que ça faisait? Et bah, vous avez beau vous frotter les mains, il ne mousse pas. Hein, et après, j'avais les mains toutes poisseuses, visqueuses un petit peu. Hein. Alors, le côté très pratique, ça, pour les dames, hein, après, j'ai pu très facilement renfiler mes gants. C'est vrai. Tout seul. Ça, c'était très, très fort. Et la balancelle, là, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est vrai. Ouais, je me suis amusé beaucoup avec la balancelle. Vous... Mais il y a des choses qui m'ont beaucoup choqué et je pense qu'il faudrait quelques idées. Moi, j'ai quelques idées pour transformer ces temples de la grossièreté, hein,
en des sanctuaires d'une sensualité raffinée. Vous pourriez mettre quelques tableaux de maître, y passer la musique classique du Schubert en fonctionnant des choses simples. Et vous pensez. Et des écriteaux avec des petits adages. D'accord. Des formules de politesse. Faites la queue, dites merci, des choses comme ça. Et vous pensez que ça pourrait résoudre justement l'image et le bon fonctionnement de. Le bon fonctionnement surtout. Hein, parce que les prêtres. Ça manque un peu de savoir-vivre hein, dans ces backrooms. Hein. Pas un bonjour, pas un bonsoir. D'accord. Très bien. Et surtout, c'est le métro, hein, c'est le métro. C'est vrai. Vous levez la main, ça s'arrête tout de suite. Oui, oui, tout à fait aussi. D'accord. Avril 2003, c'est la sortie de votre livre, oui. Le Petit Madame H illustré, que les internautes peuvent voir actuellement sur leur écran. Donc, les textes sont de Christophe Marc. C'est qui celui-là ? Vous connaissez pas ? Non, c'est... Ah, si ! Si, c'est mon nègre. Votre nègre. Voilà, c'est très mon bien. Nègre, c'est... Il est blanc, moi ? Non, c'est un nègre, c'est un nègre. Oui, j'avais compris, mais c'était pour rebondir. Et les dessins sont de Cuneo. Cuneo, pardon. Dessinateur alors... de bande dessinée à l'origine. D'accord. Voilà. Sur ce livre, dictionnaire. C'est un livre, c'est la plus grande œuvre depuis Diderot et d'Alembert, l'encyclopédie. Hein. C'est vrai qu'on y retrouve plusieurs informations. Vous parliez des pinces aussi. J'ai vu ça. Il y a des planches. C'est d'Alembert, c'est le côté d'Alembert. Ça, voilà, tout à fait. Les pinces à saint. Mais il y a les pinces à saint, il y a les godes, il y a toutes les. Voilà. Donc vous parlez aussi des pinces alligator, des pinces plates, larges, des pinces épingles, des pinces à dessin. Vous utilisez vous, ça, c'est pour les artistes. D'accord. Voilà, les artistes. Je conseille aux étudiants des beaux-arts. Ça fait pas trop mal. Je sais pas, je suis pas artiste. Des pinces à linge. Pinces à linge, c'est pour les pauvres. Ma bonne utilise beaucoup les pinces à linge, vous voyez. D'accord, très très bien. Ils peuvent les relier avec une petite ficelle, vous voyez. Oui, un fil de laine, ils tirent comme ça. Ils peuvent s'amuser des heures pendant leur RTT. Encore faut-il avoir une perceuse pour faire des trous dans le bois de la pince à linge. Non, et vous passez dans le petit tortillon. Ouh là là, beaucoup d'imagination, Madame H. Oui, hein. Vous savez, sur mon site, madamh.com, j'ai une rubrique bricolage, justement. D'accord. Alors, justement, puisque vous parlez du site internet, on peut l'évoquer dès à présent. Vous avez donc ce site internet où on peut trouver plein d'informations, vous écrire, voir des photos, des extraits vidéo. Bah, c'est un grand espace. Effectivement, il y a un espace télé pour les vidéos, les extraits de mes spectacles, de passages télévisuels. Il y a une galerie donc, de photos avec des photos. Vous pouvez me retrouver sous les angles. Mais également une galerie d'artistes, une galerie d'art, où j'invite régulièrement des artistes à exposer. Donc là, les mois derniers, c'était Tom de Pékin. Et ce mois-ci, c'est Laurent Chanfron qui fait une exposition un petit peu sulfureuse sur les foufounes. Voilà, c'est des gros plans de foufounes. C'est extraordinaire. Pour réhabiliter la foufoune. D'accord. Un nouveau combat. Donc, ce site internet, vous pouvez nous rappeler l'adresse, on l'affiche nous en ce moment sur... www.madamehattaché.com. D'accord. Et on retrouve aussi le petit Madame H illustré aux éditions Gays et Lesbiennes, premier dictionnaire homocentré. Voilà, tout d'actif à zoophile. D'accord, très très bien. Je pense que ça va être mon livre de chevet pendant jours. Ah oui. Quelques jours, mais des mois, vous allez pour des mois. C'est vrai ? Ma mère, là, depuis des mois, sur sa table de chevet. D'accord. Oui ? Oui, ma mère me demande peut-être quelquefois ce que c'est que passif. Elle n'a pas compris ce que ça veut dire, passif. Passif ? Et quelle est la définition de passif ? Passif ? Attendez, je vais essayer de... Je crois que c'est aller voir actif. Passif. Adjectif. Tenez, je vous laisse le lire. Voilà. Je pense que vous passif. Avez... passion. Adjectif étrangement masculin. Oui, c'est vrai. Bon, du latin pati, souffrir. Indolent qui subit sans agir et fait ainsi la femme. Il est scandaleux que le citoyen passif n'ait point le droit de vote. Et ça, c'est vrai que c'est scandaleux. Le citoyen passif n'a pas le droit de vote. Ah bon ? Oui. Et il y a fumeur passif. Hein. Alors ça, c'est important si je me bats pour... Oui. Par rapport à la prévention VIH, mais au tabac. Hein, c'est très une fumeur passif, c'est très mauvais de fumer en se sentant de misère. Mais vous fumez, Madame H ? Oui, mais c'est pas une raison. Les adultes me donnent des leçons comme ça, de dire. C'est pas une. Prochaine question. En juillet 2002, vous êtes retourné à l'université
vous avez fait apparition brusquement à Marseille. Vous avez donné une conférence. Parlez-vous Pédéguine ? Oui. Bah, c'est lié aux mes recherches faites autour de ce dictionnaire. Pendant des mois et des années, j'ai fait mes recherches en archives, dans les bibliothèques, autour des mots, autour de l'homosexualité, des homosexualités. Hein. Et je me suis rendu compte, et ça m'a scandalisé, que nous avions une langue, la langue française était totalement homophobe, sexiste, hétérocentrée. Vous cherchez des définitions comme femme dans le dictionnaire, on vous répond compagne de l'homme. Sexualité, c'est invariable. Ça ne prend jamais d'aise, sexualité. Des choses pareilles. Oui, c'est, en effet, donc, c'est... Donc ça m'a scandalisé. Donc la conférence était faite autour de cette question-là, de cette langue qui est profondément hétérocentrée. C'est d'accord. Pour ça que moi je me bats pour une culture homocentrée. Hein. Et ce que je dis en introduction de mon livre, de cette conférence, c'est une langue dont la règle primordiale est le masculin le remporte toujours sur le féminin, est une langue mal partie. Vous aviez, et vous avez, pardon, appelé cet atelier d'expression Queer Academy. Est-ce en rapport avec nos amis de la Star Academy ? Faut-il avoir un don particulier pour participer à ces ateliers ? Non, c'était... le seul don, c'était, comment dire... Queer Academy, c'est qu'il fallait être queer, quoi. C'est-à-dire queer, c'est dire bizarre. Donc... il y avait des lesbiennes poilues, des gays de 60 ans, voilà, c'était un atelier de théâtre que j'avais fait à l'académie, où j'avais fait tout un travail théâtral comme ça, et on a créé une petite pièce en quelques actes autour de la mer au sens lacanien du terme. D'accord. Voilà. Mois d'août 2002, vous êtes toujours encore une fois là où vous ne devriez pas être, à l'université de la LCR, devant 600 hétéros. Oui, mais alors là, je ne savais pas que la LCR, c'était des hétérosexuels. Si je savais que c'était des hétérosexuels, mais que c'était communiste en plus. Moi, je crois que c'était l'université d'été, mais pour moi, c'est bon. D'accord. Et je crois que c'était l'université d'été des hétérosexualités. Et c'était l'université d'été hétérosexuelle et communiste. Mais ça s'est très bien passé. Ça les a beaucoup amusés apparemment. Ça a été assez extraordinaire en fait. D'accord. Donc après vous êtes revenu et arrive la fin. Besancenot et je peux outing. Oui, bien sûr, je vous en prie. Besancenot, j'ai un outing très important à faire. Olivier Besancenot est hétérosexuel. J'ai vu son ami. C'est vrai. Et vous êtes déçu? Non, je veux juste l'outer. D'accord. Très très bien. Mais écoutez, je pense que tous les internautes l'auront compris. En décembre, et vous nous en parliez tout à l'heure, vous avez été encore une fois speakerine de La Nuit Gay sur Canal+. Alors là, ça devait être le grand show. C'était très très cosy en fait, puisqu'on a tourné la présentation chez Angelina, rue de Rivoli, avec des petites madeleines, montées, etc. Non, c'était très cosy, c'était pas tout grand show. Hein, c'était... il y avait du Schubert, c'était derrière, du Vivaldi, je ne sais plus trop. Enfin, voilà, et donc j'ai présenté toute La Nuit Gay depuis chez Angelina. Donc on vous voit aussi souvent aux côtés de Guillaume Dustan et d'Éric Rémès. Ils font en ce moment, et on entend beaucoup parler d'eux. On m'a vu souvent. Oui, on vous a vu souvent. Oui. Alors, j'aimerais parler de quelque chose qui apparemment touche beaucoup la presse. Oui. C'est le dernier livre d'Éric Rémès. Sur les Bear Breakers. Qu'est-ce que vous pensez et quelle est votre position par rapport à ça? Ben, je vais être très, très direct. Le bear baking, je suis contre. Je suis tellement contre le bear baking. Tout comme je suis contre le suicide des jeunes. C'est une forme de suicide. Mais sauf que ça, c'est pas en disant, en ne parlant pas du suicide, en ne parlant pas du bear baking, que la chose disparaît. Donc, il faut arrêter les politiques de l'autruche, c'est-à-dire, on ne voit pas les choses, et comme ça, elles n'existent plus. Donc, je pense qu'il faut en parler, et que la littérature est faite aussi pour dire son innommable, dire parler de ce que j'appelle sa backroom intérieure, voilà, et que
Voilà, donc les livres d'Éric Rémès ou du Stan sont tout à fait critiquables pour plein d'aspects. Il y a plein de choses qui m'exaspèrent et m'énervent beaucoup dans ces livres. Mais un livre qui énerve, c'est pas rien. C'est déjà ça. C'est mieux qu'un livre qui laisse indifférent. Le dernier livre d'Éric Rémès, il y a beaucoup de choses qui m'énervent, qui m'ont énervé. Beaucoup de choses que je trouve limite, voire au-delà de la limite. Mais un livre... Enfin, moi, je me bats surtout pour la liberté d'expression, et surtout dans un livre qui raconte une fiction, pour dire son, effectivement sa part d'innommable. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, un auteur comme le Marquis de Sade ou Georges Genet ne pourrait jamais paraître et qu'on saccagerait leur maison d'édition. Voilà. Donc, par rapport, Mais à côté de ça, je suis très... On m'a vu à côté de ces gens-là parce que j'ai voulu... défendent leur droit à exprimer leur innommable. Oui, tout à fait. Et quand on écrit un livre, on ne fait pas de la morale. Et donc voilà. Mais d'un autre côté, j'ai toujours été là pour faire la prévention. J'en ai fait avec le CRIPS, avec AID. Je suis prêt à faire des choses avec ACT UP. La prévention, c'est quelque chose qui me concerne très profondément. Surtout que, bon, comment dire. J'ai un certain âge. Je suis... séro-négative et donc j'ai des leçons à n'entendre de personne. Voilà. Très que la prévention pour moi c'est plus qu'un discours, c'est une comment dire, c'est un acte quotidien. D'accord. Voilà. Mais écoutez, je pense que tout le monde aura bien compris. Arrive l'année 2003, donc que nous venons de commencer il n'y a pas si longtemps que ça, avec l'écriture de votre nouveau spectacle. Voilà. De nouveaux textes. Qui s'intitule tout simplement Madame H. Ah non, c'est très très long. C'est Madame H raconte la saga des transpédéguines, péplum hétérophrénie. Attention, hein. D'accord. Je suis tolérant. Donc toujours sous la plume de votre nez. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Très très bien. D'accord. De beaux costumes. Oui, alors, oui, oui. Est-ce que la personne qui a créé et qui crée vos costumes, la personne qui s'est occupée de vos précédents spectacles? Non, non, c'est une nouvelle personne, il s'appelle Julien Steinman, il a beaucoup de talent, c'est le futur Gautier du troisième millénaire, et donc qui va me préparer des costumes somptueux pour ce péplum, donc qui nécessite effectivement des changements de costumes. D'accord. Alors, en quoi va consister, qu'est-ce qu'on va retrouver sur la scène avec Madame H, est-ce qu'il y aura encore à nouveau des petites astuces pour fabriquer certains objets? Ah non, mais là, c'est plus la conférence Kermesse. Je sors la conférence Kermesse. Il y a 100%, c'est un spectacle totalement nouveau, donc il y a 100% de nouveaux textes. D'accord. Hein. Vous savez, j'ai ma petite manie de donner des conseils tout le temps. Peut-être que je ne pouvais pas m'empêcher de donner quelques conseils comme ça. Mais là, c'est vraiment un spectacle. Autant le premier, c'était une conférence Kermesse, donc voilà, avec ce côté conférence. Là, c'est vraiment un péplum, une grande fresque historique. Ça part depuis les Amazones jusqu'à. En fait, ça finit dans le futur. D'accord. Et le public participera? Oui, bien sûr. Comme vous l'avez fait pour les conférences Kermesse. Oui, oui, oui. Alors, moi, je suis venu voir à deux reprises votre spectacle. Vous n'avez pas compris la première fois? Voilà, tout à fait. C'était difficile. Et voilà, c'est pour ça que j'ai bien aimé cette participation. Pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle, c'est parfois difficile à comprendre. Vous donniez des petits papiers. Des petites fiches vocabulaire. Oui, voilà. C'est de là qu'est partie mon idée de dictionnaire encyclopédique transpédéguine. C'est le soir du compte que les pauvres hétérosexuels, on ne parle pas assez de l'inculture hétérosexuelle, manquent de beaucoup de vocabulaire, ne connaissent pas des mots très simples comme backroom, coming out, et choses, etc. Et donc, j'ai fait des petites fiches vocabulaire que je distribuais aux hétérosexuels dans la salle afin qu'ils puissent suivre mon spectacle. Et à chaque fois, j'employais un mot un petit peu codé, voilà. Non, codé. Oui, j'agitais ma petite clochette pour leur dire de regarder la fiche, parce qu'il faut être très pédagogue avec eux, ils ont beaucoup de mal. Mais ils acceptaient de faire leur routine. Ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Hein. C'est non, pas s'empêcher, c'est-à-dire que l'hétérosexuel est très discret en général. Hein. Il fait peu de prosélytisme. Mais là, moi, je me sentais un peu en minorité, donc c'était un petit peu penaud, etc. Au début, je n'osais pas trop lever la main. Après, ils levaient la main. Je me demandais s'ils avaient changé
d'orientation entre temps. Non, non, ils sont... l'hétérosexuel est timide, en fait, très timide. D'accord. Et donc après, ils étaient obligés de lever la main parce qu'ils ne pouvaient pas se passer de la fiche. C'est vrai que cette petite fiche, moi je l'ai gardée. J'avais pris la fiche. Alors j'avais interdit aux homosexuels de prendre. Je vais vous expliquer. Non, je ne l'ai pas pris. Je suis venu accompagné d'une personne hétérosexuelle. Ah d'accord. Et j'ai pris la fiche, mais je l'ai gardée pour moi parce que je suis concerné aussi. Hein. C'est oui, pas parce oui. que. C'est des mots que j'étais censé connaître. Hein. Oui, tout à fait. J'étais censé les connaître, mais je me sentais concerné aussi. C'est la raison pour laquelle je l'ai gardée. Vous êtes et. Vous avez déclaré à un très grand journal que vous étiez des archives trans-lesbiennes gays à vous toute seule. Oui, parce que ce péplum que je me prépare à présenter le 24 juin et au Festival d'Avignon, c'est un travail d'archives finalement, puisque j'ai décidé de travailler sur la mémoire transpédéguine. Et là aussi, c'est une croisade pour essayer de réhabiliter la place des transpédéguines dans l'histoire et montrer que les transpédéguines sont un des moteurs de l'histoire. Donc, c'est un péplum historique, cette fois-ci. Je suis un peu, Michelet homocentré, vous voyez. D'accord. Comme Michelet. Et donc, je réhabilite la place des transpédéguines, je casse un peu tous les tabous en partant des Amazones, en re-racontant le banquet de Platon, qui était un banquet de Platon dinatoire, et ça on oublie souvent, en reparlant des bûchers de l'Inquisition, de Jeanne d'Arc, et également de pages sombres qui sont pas très rigolotes sur la déportation, entre autres. Et le temps du sida, Stonewall, voilà, et ça finit dans le futur, sur un rêve de la prise de l'Opéra Bastille. D'accord. Donc, tout ça, ce sera dans votre prochain spectacle. Tout à fait. En avant-première, exclusivité mondiale. Je dirais même intergalactique. Intergalactique, oui. D'accord. Après une grande tournée où les Chinois viendront à vous irez en Chine. Après, oui, j'espère, quand on traduira mon spectacle et quand la pneumopathie sera terminée. Oui. Et donc, si je ne vais pas faire un spectacle, ça serait ridicule. Avec un petit micro derrière. Un petit micro derrière. Oui. Derrière une vitre, je ne sais pas. Réfléchissent. Sous cloche, ça fait pas mal ça. Une grande cloche de verre comme ça. D'accord. Voilà. Et donc après, effectivement, présentation exclusive. Ici, sur cette scène. Ici, le 24 juin. Donc à 22h. 22h. Au point virgule, l'adresse s'inscrit actuellement sur le bas de votre écran. 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75 400, voilà. Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas. N'oubliez pas de réserver, ça va être. Et le numéro, on peut le donner, c'est le 01 42 78 67 03. Et on retrouve bien sûr toutes ces informations sur votre site internet www.madamh.com. Madame H, merci à vous de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Je sais que vous avez un emploi. Il y a des pauvres qui m'attendent. Là, c'est vrai. Bon, on va vous laisser. Je tenais à remercier aussi. Les pauvres se mettent en colère très facilement. C'est vrai, ils traînent dessus. Oh non, ils n'oseraient pas, c'est moi. Non, mais ils ont la jacquerie facile, vous savez. Là. D'accord. Très bien. Je tenais donc à vous remercier. Merci aussi la direction de ce théâtre, le Point Virgule, Marie-Caroline Burna. Vous retrouvez plein d'autres, j'en profite, hein, je fais un petit peu de promo si vous le permettez, oui, j'en prie. Pour le Point Virgule. Vous retrouvez plein d'humoristes, Gabriel, Guy Lécluise et plein d'autres, Frédéric Lebon. Dans ma sélection, alors c'est dimanche soir, il faut absolument aller. Qu'est-ce qu'il faut voir? Gilles Ollier. Qui est un dentiste un petit peu dentiste, fou. Un dentiste fou qui fait de l'humour trashissime et très drôle. Gigi Hereda, très drôle, c'est Marseille. Et aussi très très drôle, c'est C.L. Jones, hein, qui est tout autour du mime et des bruitages et qui raconte une sorte de panthère rose comme ça, un peu entre James Bond loser. C'est très très drôle. D'accord. Eh bien écoutez, j'espère que les internautes suivront vos conseils. Madame H, merci encore. Merci à vous. Et je vous laisse le mot de la fin pour les internautes, si vous avez quelque chose à ajouter. Ne vous laissez pas marcher dessus, sauf si vous y prenez du plaisir.